France. Est-ce que la délégation française là, qui est représentée par Calibri Calibro, est-ce que la délégation France peut... Oui. Ils sont là. Bienvenue, général Calibro. Bienvenue. L'Allemagne est contente de vous recevoir. Merci à vous. Nous sommes contents d'être là. Bonsoir, Stéphane. Merci. Merci, c'était réel plaisir. Bonsoir. Merci. Merci, c'est un honneur de vous recevoir. Merci, c'est un honneur. La délégation de France, toujours la plus nombreuse. Le fils du Seigneur, le Seigneur. On ne présente plus la belle là. Bienvenue. La nombreuse délégation de France. Comme vous aviez vu, la base France est représentée, bien évidemment. Nous avons les Amazones de la Résistance. De Renaissance. Les Amazones de la Renaissance. Madame Justine Bocap, qui est là, elle est arrivée. Bienvenue. Bienvenue. Un petit bisou aussi. Moi, j'aime les bisous, c'est bon. Bonsoir. Ah, ça, c'est bien. Merci. Elles sont représentées. La France est là, comme vous avez vu. Merci d'être venu égayer la révolution avec votre belle tenue, tenue jaune. C'est le soleil. C'est qu'il faut rappeler, nous sommes toujours contents de voir que les femmes se mobilisent pour ce combat. Et les Amazones ont répondu présent. Vraiment, soyez la bienvenue. Merci. Le peuple camerounais nous observe. On va voir. Le rendez-vous est fait. Donc, dites quelque chose si vous voulez, bien évidemment. Oui. La porte-parole. Bonjour, chers Camerounais, chers combattants de toute la diaspora. Donc, nous sommes les Amazones pour la Renaissance du Cameroun. Nous venons de France pour assister à cette conférence organisée par la BAS à Cologne. Et nous sommes très ravis parce que plus que jamais, les femmes se doivent d'être au devant de cette lutte. Merci. Donc nous ne céderons point et partout où ce gouvernement inculte sera, nous les pourchasserons avec la dernière énergie. Ah ouais, elle a trop d'énergie, merci. Merci. Ok, ben, vous aviez la délégation UK, ils sont représentés et vous savez à UK, c'est régorgé de beaucoup de guest stars dont je n'aurai même pas l'occasion de les présenter. Est-ce que je peux voir la délégation UK, ceux-là qui ont même donné le train de la révolution, est-ce que vous avez le combattant, quel temps qui est là? On ne présente plus le capitaine Grillet. La délégation UK. 48 ans de combat. Il est accompagné. Vous l'avez vu après la délégation. Et pas seulement la nouvelle génération. Mais c'est qu'il faut rappeler, après la délégation France, UK est beaucoup représentée. Ils ont effectué le déplacement. Même comme ils ne sont plus à l'Union européenne, ils ont pu se déplacer. Ils sont tellement nombreux. Quel est l'objectif de sa mobilisation? Ça, c'est bien. Ça, c'est bienvenu. La délégation UK, comme vous pouvez voir, elle est la plus nombreuse. Ah oui, elle est là. Que de jolies femmes. De bons gosses. Mais votre Sandy est là. Les sentinelles, votre Sandy est là. La générale Sandy est là. L'Amazon a chopé Sandy. Le général Sandy Boston. Ah oui. La femme qui donne les airs, Sandy. C'est un plaisir d'être ici. C'est bon. Vous avez le président Brice Nietzsche. On ne présente plus. Je suis honoré de vous voir ce soir. Vous avez effectué le déplacement, président. Est-ce que ce déplacement était important? Très important. Nous sommes venus pour retracer la deuxième phase de la résistance qui va renaître ici aujourd'hui à Cologne. Je remercie le comité d'organisation et nous sommes convaincus que les Camerounais qui nous regardent sont tout à fait d'accord avec nous, que les décisions qui vont être prises ici aujourd'hui sont des décisions qui vont permettre à la résistance de faire tomber le régime. Et nous mettons en garde les renégats et les crapules qui pensent qu'ils peuvent nous faire peur. Nous avons peur de personne et nous irons au bout de la résistance. Merci. 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 La délégation Belgique. Maintenant, nous allons accueillir...
Oui. La délégation, Belgique. La prochaine délégation que nous appelons, que nous avons le plaisir d'accueillir, c'est la délégation Belgique. Comment est-ce que fait? Vous savez, la délégation Belgique. Représenté par Negro, Negro qui a demandé, qui a décidé finalement de porter la basse au niveau de la Belgique. Negro, nous avons le privilège de accompagner avec les Amazones Belgique. Et on a Annie Choco. Ça c'est Annie Choco. Bonjour à vous, la doyenne des Amazones. Voici la doyenne des Amazones. Les Amazones, maman Béatrice, maman Micheline. Maman Micheline. Donc ils sont venus sur le Belgique, c'est un réel plaisir vraiment de vous avoir. Ok, merci, merci à vous. Merci à vous. Merci. La délégation, suisse, la Suisse est représentée. Maman Elisa. Maman Elise. Non, je parlais de Maman Elisa. Je sais que tu es Maman Elise. Ça c'est Maman Elise, mais Maman Elisa est là, mais elle a un souci, elle viendra. Mais ils sont là, ils sont représentés. Voilà. Donc c'est bon. Maman Elise est là, Alain est là. C'est bon, voilà la délégation suisse. Merci. C'est bien. Merci. L'Italie. La prochaine délégation, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Bon, en Italie, eux, ils n'aiment pas les caméras, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci. Ouais, c'est le représentant de l'Italie. Ouais, merci, Ulrich. Merci. Bienvenue. Nous avons des invités, mais on ne va pas vous expliquer, ce sont des invités qui nous sont... Un invité spécial, on va juste vous dire que c'est... On va juste vous dire que c'est une personne spéciale, c'est un grand frère qui vient de notre de la partie anglophone de notre pays. Et il est venu ici là pour échanger avec nous. C'est les invités. Voilà, c'est lui ici, notre grand frère spécial. C'est bon. La prochaine délégation. La délégation allemande. La délégation. Vous-même qui nous recevez, Valdez. Valdez, nous venir. Valdez, venez. La délégation allemande. Bon, la délégation allemande, on va plus. Vous aviez Valdez. Bonjour. Alias Satan Joko, vous l'avez. Eman Ona, vous l'aviez. Ok, merci frère, bienvenue. Merci, c'est bon. Alors Jérôme, mon frère et ami Jérôme Matteo, il est là, il est venu. Jérôme, on du présent. Le grand maestro. Jérôme, tu peux dire quelque chose. Ah oui, je suis là depuis, tu es caché. Ah bon, voilà, nous sommes là, n'est-ce pas, pour reposer les jalons de notre combat. Et cette fois, ça va être déterminant, ça va être vraiment costaud. La conférence, n'est-ce pas, de Colomb doit porter ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes le peuple camerounais interdit, n'est-ce pas, d'aller au Cameroun. Cela ne va pas se terminer ainsi, c'est-à-dire que nous sommes dans une guerre où il faut que nous sauvons, n'est-ce pas, notre vie. Nous avons des familles au Cameroun et nous devons retourner dans notre pays. Et nous devons, n'est-ce pas, nous reconstituer en tant que fils d'un même pays, vivant dans la diaspora, se soutenir les uns les autres, psychologiquement, moralement, nous devons être, n'est-ce pas, des frères d'armes. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que nous sommes ici à Cologne. Ce qui se passe au Cameroun n'honore pas les Camerounais. Et nous, dans la diaspora, nous devons, n'est-ce pas, laver notre honneur. Et ceci par le biais du professeur Maurice Kamto, qui a donné le ton d'un vrai Camerounais. Nous devons alors, n'est-ce pas, emboîter ce pas pour retrouver notre honneur. Vraiment, je souhaite que tous ceux qui vont participer à cette conférence, ils sortent enrichis, que chaque délégation qui est arrivée retourne chez elle très bien. Et le même esprit continue, c'est-à-dire l'esprit de guerrier, l'esprit, n'est-ce pas, de lutte, l'esprit indéfectible, c'est jusqu'à la gare. Merci Jérôme, on peut aller, on peut continuer dans...
Tunisiens juste pour sauver son vie. La troisième ministre de présence, ce sera qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours et dont le décès est encore une plaie béante dans nos cœurs. Donc je vous prie vraiment de bien vouloir observer la première, levez-vous tous de façon solennelle, inclinons nos têtes pour la première minute de silence pour nos frères tombés au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, ceux qui sont déplacés jusqu'au Nigeria. Il faut rappeler que Maître Sow était l'avocat qui a défendu tous les militants du RMRC qui ont été embastillés sous le régime de M. Paul Biya. Et comme tout le monde, vous avez appris cette nouvelle avec fracas pour ce qui est arrivé, dont la mort de Maître. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être consolés. Nous sommes encore tristes. Les conditions où il a... Les mots me manquent vraiment. Vous pouvez comprendre la tristesse de la diaspora quand on peut savoir que la politique qui est une notion noble qui voudrait qu'on puisse être des adversaires et non des ennemis politiques et qu'aujourd'hui vous avez un régime qui se décide de liquider tranquillement des adversaires politiques dans le but de maîtriser, de contrôler le pouvoir. Le peuple camerounais, dans sa chair, tous, par la nouvelle de la disparition de Maître Sow, nous sommes attristés, nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas découragés. Ce combat va continuer parce que dès le premier jour que tous nous sommes engagés dans ce combat, le seul mot était de dire, même s'il fallait laisser de notre vie, nous allons continuer sans toutefois s'arrêter. C'est douloureux, mais nous venons soutenir tous les compatriotes qui sont restés au pays, qui se battait chaque jour comme un seul homme pour libérer dans cette condition de répression violente du peuple camerounais. Mais nous voulons dire que le message est clair, nous n'allons pas abandonner cette lutte. Nous allons libérer le peuple camerounais, même s'il faut que nos vies tombent. Maître, nous sommes avec toi. Tu as rejoint les dévanciers, nos pères qui ont lutté pour la libération de ce pays. Et nous croyons que plus que jamais, c'est une détermination pour le peuple camerounais et pour la diaspora en particulier. Maître, nous n'allons pas oublier que tu as fait ta part. Et le passage d'un être humain sur terre est non seulement de venir procréer ou de venir marquer son passage sur terre comme un animal, mais c'est de laisser quelque chose à la prospérité. Et Maître l'a fait. C'est pour ça que ce soir, cet après-midi, nous saluons la mémoire de ces grands hommes pour la libération du peuple camerounais. Merci.
qui sont dans les geôles de la dictature satrapique vieille de 40 ans. Nous n'avons pas oublié Paul Tchota, nous n'avons pas oublié Sidik Sangou, et la liste serait vraiment Mamadou Mota, Mamadou Yakubo Mota. Nous n'oublions pas Nana Branco, nous n'oublions pas Sylvain, et bien d'autres qui sont embastillés par ce régime. Nous continuons à croire que la libération de ces derniers sera effective, et nous continuons à réclamer, à exiger de ce gouvernement de libérer ces détenus. Mais nous voulons penser nos frères qui meurent chaque jour dans nos eaux, les plus de 12 millions de nos frères de la zone anglophone qui sont en train de tomber sous les balles de M. Paul Biya. Nous disons qu'il faudrait, à un moment, que cette guerre change, parce que la notion de la République n'est pas cette notion de l'extermination de la cité, mais la politique et la gestion de la cité. Monsieur Paul Biya doit comprendre que s'il n'a plus le sens de l'humanité, parce que ce peuple réclame juste la bonne gouvernance, le peuple camerounais en a marre depuis 38 ans, qu'il faut qu'on arrête avec ces guerres. Nous saluons la bravoure et le courage de nos frères du Nozo, et nous soutenons ce peuple parce que c'est un seul Cameroun. Les revendications sont légitimes, mais nous allons travailler dans le sens d'harmoniser nos forces et de libérer ce Cameroun. Merci Iris, tu peux, Foster, tu peux continuer. Merci Stéphane Tchoumbou. Je vais remettre la parole à M. Valdez, pour qui j'ai une admiration énorme. Et par la suite, il va passer la parole à son partenaire, à son complice, M. Njoko Christian. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à César revienne ce qui appartient à César. Depuis environ une année que nous connaissons des... Nous traversons une tornade en Allemagne. Ces deux combattants sont le ciment, sont le béton qui a permis à ce qu'aujourd'hui une base d'Allemagne puisse organiser cette conférence. Donc, vous avez la parole. On peut s'asseoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Écoutez, merci. Merci, merci aux autres, merci à vous, merci à Foster, merci à la base UK, merci à la base France, merci à la base Suisse, merci à la base Belgique, merci aux Amazones, merci à tous, merci au peuple camerounais, merci à la base Italie, s'il vous plaît. J'allais oublier. Je pense que je devais d'une manière ou d'une autre revenir dessus. Mais merci. Merci à tout le monde. Basse Canada, Basse États-Unis. Basse Canada, Basse États-Unis. Et merci à tous les activistes. Merci au peuple camerounais. Et merci au gouvernement intérim de l'Amazonie. Ah oui, c'est vrai. Nous avons également un membre. Voilà. Merci au gouvernement intérimaire d'Amazonie que nous saluons. Cet événement, cette conférence qui a lieu aujourd'hui à Cologne est un moment de où nous rassemblons et nous essayons, ou bien nous allons poser les germes du renversement définitif du tyran. Donc, nous sommes là, nous sommes ceux-là même qui pensent que cette victoire aura lieu dans l'entente, dans l'harmonie, dans les stratégies. Et la raison pour laquelle cette conférence a lieu, c'est justement pour se mettre ensemble et planifier cela. Merci aux hôtes qui viennent du monde entier. Merci à toute personne qui a de proche ou de loin permis à ce que cet événement ait lieu.
je pense ici à tous ceux qui ont aidé dans le background, qui n'aimeraient pas qu'on les cite ici, mais nous vous remercions. Nous remercions tous ceux qui ont donné de leur temps pour que ce soit un événement aussi grand. J'aimerais également remercier personnellement le président Brice Nietzsche qui s'est attelé, qui fait beaucoup pour qu'on ait, pour que la résistance camerounaise reste éveillée et continue de travailler de manière unie. Merci au général Calibri Calibro, qui est celui-là même qui nous maintient, qui attise la flamme et qui nous permet de continuer le combat. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci au caporal Grier, qui est le caporal Grier, tout le monde le connaît, qui n'est plus à présenter et qui nous conseille. Je pourrais citer tout le monde. J'ai dit merci à Justin, merci Ulrich, merci Alain, merci à ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire Hilaire, merci à mon général Sandy, merci aux Amazones, merci. Merci Valdez, vous étiez vraiment dans le temps. Je crois que je vois la parole. Bonjour, bonsoir à vous tous ici présents. Je voulais déjà dire merci. Merci d'être venu. Je suis personnellement bluffé de voir à quel point Camerounais et Camerounaises veulent le changement. Merci à tous d'avoir fait le déplacement de si loin. Certains de la Suisse, certains des UK, la France, la Belgique et l'Italie, bien évidemment. Je vous dis merci. Je voudrais particulièrement dire merci ici au caporal Grier, Kemp Emmanuel, qui s'est investi de manière incroyable à distance afin que cet événement soit ce qu'il est. Je ne peux oublier naturellement le président Brice Nietzsche, qui, tout comme son frère jumeau, Kemp Emmanuel, a fait pareil. Donc merci au général Calibo Calibi, qui en fait est le père fondateur de la BAS, la Brigade Anti-Sardinate. Merci car ce mot, Brigade Anti-Sardinate, c'est un mot très fort. C'est un mot qui traumatise. Il traumatise. Et j'en profite déjà pour te dire... Oui, j'en profite pour te dire ceci. Cette année 2020, il traumatisera encore plus. Je voudrais dire merci à la générale Sandy Boston qui a fait un travail remarquable, communicationnel, afin que nous soyons là où nous sommes. La générale Sandy Boston n'est plus à présenter, bien évidemment. Ses exploits sont une réalité et non un mythe. Merci, ma générale, d'être venue avec toute ton équipe d'Amazon. Merci. Pardonnez-moi ceux que je ne vais citer. Je vais donc dire merci à tous mes frères et sœurs d'Allemagne venus ici. Je vous dis merci car c'est d'abord pour vous que cette conférence est organisée. Et bien évidemment, pour le départ du tyran Biabi Vondopol Barthélémy alias Satan. Je vais terminer en disant merci à tous ceux qui travaillent et qui ont travaillé en background et qui continuent d'ailleurs de travailler en background afin que des événements comme ceux-ci soient un succès. Merci à notre homme fort qui va nous permettre de profiter d'une bonne chèvre brisée après.
Merci à tous. Je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est déjà un plaisir et je sais que cette conférence va être un succès au niveau de sa quintessence. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et je me permets de vous dire bienvenue en Allemagne pour cette conférence. Je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis très honoré d'être aujourd'hui au milieu de ma famille. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour une seule cause. C'est pour notre pays, le Cameroun. Vous avez fait de longues distances pour pouvoir être là. Mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes papas, la brigade anti-Sardina est née il y a un an et quelques mois. Les Camerounais nous ont tous fait confiance. Les Camerounais ont cru en nous. Ils se sont levés comme un seul homme parce qu'ils ont vu en nous l'espoir. Mais je peux vous dire aujourd'hui, avec un cœur qui saigne, que nous avons déçu, pour certains, les Camerounais. Quand je dis nous, chacun d'entre nous doit porter sa part de responsabilité. Et je souhaite qu'aujourd'hui, qu'au sorti d'ici, que nous redonnons le sourire à ces Camerounais-là. Parce que nous sommes leurs bras armés, nous sommes leur force. Et les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont besoin de nous voir plus solides que jamais. Le chemin de la révolution est tortueux. Il est long. Il est difficile. Seuls les courageux et les courageuses arriveront au bout. Ce chemin est semé de beaucoup d'embûches. La preuve, vous l'avez en face. Maître Sop. Il est parti, les armes à la main. Les Camerounais vivent dans la misère. Les Camerounais vivent dans la dictature. Ils sont opprimés. Ils n'ont pas de soins. Ils n'ont pas d'eau. Il n'y a rien au Cameroun. Alors mes frères, chacun d'entre nous aujourd'hui doit faire le serment de mettre le Cameroun au-dessus de lui. Nous devons être une famille unie, soudée. Quelles que soient nos divergences, nous devons faire taire nos divergences et avancer pour le Cameroun. Parce que 2020 doit être l'année où nous allons faire tomber Paul Biya. Et pour ça, il faut que nous soyons tous forts. Pour ça, mes frères, il faut que nous soyons tous forts et unis. Nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas des sœurs. Nous sommes des Camerounais. Nous aimons notre pays et nous sommes condamnés à nous entendre et aller de l'avant. Permettez-moi de rendre hommage à deux femmes qui ne sont pas là. La première, c'est la générale Suzanne Barat. Celle-là même qui s'est levée pendant que la majorité d'entre nous était encore couchée à la maison. Je rends hommage à cette femme. La deuxième, c'est Winnie Savannah, qui a eu son pied détruit par la milice de Biya. Je me permets, au nom de cette résistance, au nom de cette révolution, de rendre hommage à ces femmes-là et à toutes ces femmes. À vous, mes sœurs,
Le destin du Cameroun est entre vos mains. Soyez déterminés, soyez courageuses, soyez plus que jamais devant ce combat, comme l'a fait cette femme, la générale Sandy. Encore une minute. Je serai un peu plus long. Je veux qu'on sorte d'ici, que nous ayons des résolutions fortes. Je veux qu'on sorte d'ici, que nous envoyons un signal à Biya. Le meurtre des Camerounais et le meurtre de Cro, de Maître Sop, ne doit pas rester impuni. Mes frères, mes sœurs, nous avons un destin lié. Nous avons un même chemin. Et comme a dit quelqu'un tout à l'heure, quand on met la viande dans la sauce jaune, on peut beau la laver 10 000 fois, elle va garder l'odeur de cette sauce jaune-là. Alors tous ceux qui se sont levés pour Biya et qui pensent qu'ils peuvent créer cette révolution sans en subir les conséquences, je vous dis aujourd'hui que vous vous trompez. Parce que la résistance aujourd'hui prend une décision et nous allons traquer et massacrer toutes les personnes qui vont nous empêcher de détruire Biya et tout son système. Alors mes frères, aujourd'hui, vous sortirez d'ici en tant que des soldats et des vrais soldats. Vive la révolution camerounaise, vive la résistance, vive le Cameroun. Merci, merci, merci le commandant chef Calibri Calibro. Merci vraiment pour ton intervention. Mais vous savez, selon le programme, nous allons avoir... nous devons donner la parole à chaque délégation, représentant de chaque délégation. Mais avant toute prise de parole, j'aimerais que le président Brice Nitieu et Kemta, vous allez prendre la parole quand je vais donner des instructions. Pas pour le moment. Donc, prenez votre mal en patience. Mais j'aimerais introduire Sandy de Boston, la générale. J'aimerais qu'elle introduise, qu'elle dise quelque chose au nom de la délégation des Amazones UK. Est-ce que Sandy peut dire quelque chose? Good afternoon, everyone. And if I decide to speak in English today, it's because, as we know it, our beloved country, Cameroon, is a bilingual country. We must never forget that, and we must integrate that. We live together with our brothers and sisters from the northwest and southwest regions of Cameroon. So, thank you all for coming here in Cologne this afternoon. Your presence here shows that Cameroon matters to every single one of you. Your presence here shows that you care deeply about the fate of our children that have been killed by the brutal regime of Mr. Biya. Your engagement in this struggle shows that you are willing to give and sacrifice everything to free our country. And for that, brothers and sisters, I say thank you. I take this opportunity to extend our friendship and salutations to the interim government of President Ayuk Tabe. Mr. President, we think of you and we are also fighting for your freedom. Brothers and sisters, as we come here today, we are sitting in this room to decide the direction of our struggle. We know that Mr. Biya has upgraded his brutality, and we must leave this room
making sure that we will have a strong answer for every single one of his actions. We must leave this room making sure that we will be even more, I would say, violent. I'm not afraid to say it, because to violence we must respond with violence. And I thank all the ladies in this room. For the first time, I see so many women that are standing up, taking the struggle, and fighting with everything they have. And we extend our hand to our sisters of Northwest and Southwest regions of Cameroon. We know that you are deeply involved in the struggle, and we want to extend our collaboration with you girls, because we know that women have something different, something special, something stronger to offer. And to finish my my speech, I will say that we are thinking of all those who have fallen, our fallen heroes in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, as well as the Northern region of Cameroon. We are thinking of all our heroes who are still suffering in the jails of the dictator. We will fight with everything we have until every single one of you is free. This is our pledge today. Thank you, brothers and sisters, and let's do it. Let's do this. Let's free our country. This is the Iron Lady, Sandy Boston. Merci, Sandy Boston. Merci pour ton intervention. Je pense que tu donnes un souffle, un message très profond aux femmes camerounaises, qu'il est important de se lever pour ce pays. Mais nous allons introduire ici le représentant de la basse Belgique et de dire quelque chose. Est-ce que Négro et qu'on se rappelle de notion de temps. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Négro, résident en Belgique. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier beaucoup de m'avoir invité ici, parce que à un moment donné, j'ai cru qu'on a poussé le peuple camerounais devant et qu'on a lancé la langue, comme on dit au village. Donc on avance les gens devant et on reste derrière pour jeter un coup d'œil. Et aujourd'hui, je crois que je ne vais pas parler beaucoup, parce que tout ce que la générale Sandy de Boston a dit, c'est que le Calibri l'a dit aussi, je crois que c'est tout. Parce que si on vient ici et on ne sort pas ici avec une résolution, je crois que ça ne sert à rien que tout le temps on doit faire des réunions et des réunions. Voilà, moi je crois que le plus important, parce que je vois beaucoup de femmes ici et je vois beaucoup de personnes qui se sont déplacées très loin, ça veut dire qu'on est venu avec quelque chose dans le cœur. On n'est pas là pour la rigolade. Et je crois que chaque personne qui est dans cette révolution doit d'abord se considérer comme un cadavre en manque de cimetière. Parce que ce que je crois, c'est que si quelqu'un ne se considère pas comme un cadavre, il ne pourrait pas donner tout dans cette révolution. Il va donner un peu et garder un autre peu. Alors le plus important, c'est qu'on soit un. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, je ne suis pas obligé de vous aimer. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais comme on a un même rat ensemble, on doit oublier nos différences et chasser le rat. Ça veut dire, on ne vient pas pour commencer à se quereller ou pour discuter quand le rat sort. Parce que quand les chiens vont en brousse, s'il y a un rat qui sort du trou, les chiens oublient qu'ils sortent des concessions différentes. Ils arrêtent d'abord le gibier et à la fin de la guerre, ils peuvent même se bagarrer, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment,
on a quelque chose en commun. Et que moi, ce que je prie à Dieu, c'est qu'à la sortie de ces résolutions, on trouve quelque chose de fort. Que rien ne va nous mettre en chemin pour commencer encore ce que le réel entre nous, parce qu'on est un peu fatigué. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ici. Je m'appelle Négro. Voilà. La patrie ou la mort. Merci, merci, merci Négro. Vous savez, en Belgique, Négro est en train de prendre les devants. Il aura besoin du soutien de toutes les basses. Vous saviez, les hommes, il manque vraiment des hommes véritables pour ce combat. Et quand on en trouve, il est juste pour nous important de soutenir, de l'encourager. Donc Négro, au nom de la basse, je peux dire, tu as le soutien de tous les frères de la famille. Le seul mot, dans l'unité, nous allons avancer. Mais vous aviez parmi nous la Suisse qui est représentée. Maman Elisa est là et elle va parler au nom de la Suisse. Maman Elisa, ma mère, ne nous fais pas trop pleurer, je t'en prie. Est-ce qu'on peut appeler Maman Elisa? Je remercie d'abord tous mes fils et filles qui étaient dans cette conférence. Quand je me suis déplacée de la Suisse, c'était pour venir soutenir toutes mes filles et tous mes garçons qui sont ici et ce que nous allons faire aujourd'hui. Je remercie d'abord nos deux enfants, je parle d'abord au nom des mamans, nos deux enfants qui ont organisé cette conférence pour qu'on puisse tirer les conclusions et comment nous allons continuer le combat avec tous ces grands hommes, avec tous ces grands hommes qu'on est en train de perdre aujourd'hui, parce que c'est une perte que nous sommes en train de beaucoup perdre. Alors, trop de chagrin, trop de douleur dans les cœurs de maman, dans les cœurs des Amazones, dans les cœurs de mes fils qui se battent comme des lions pour pouvoir libérer ce pays. Alors, j'aimerais bien qu'ici, fils comme fille, que nous soyons qu'un. Et comme mon fils Négro venait de dire qu'on n'est pas obligé de s'aimer, bien sûr, on en a besoin pour pouvoir continuer ce combat. Parce que s'il n'y a pas l'amour entre nous, il y a toujours la discorde, il y a toujours des séparations, chacun prend sa route, alors qu'on a un seul combat qu'il faut vraiment que ce système diabolique doit tomber. On en a marre de pleurer, d'être toujours dans les chagrins qu'on perd les gens. La conférence d'aujourd'hui doit être tirée une conclusion qu'en quittant d'ici, Maman Elisa sait que c'est telle chose qu'on va mettre en place pour qu'on combatte ces diables qui finissent nos familles. Aujourd'hui, je remercie vraiment, un remerciement qui n'a pas de fin, nos fils. Et je veux que vous soyez sans crainte, parce que vos mamans, même si vous négligez, rien ne dépasse le Seigneur. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, tout le monde est arrivé ici, sains et saufs, et qui rentreront demain ou après-demain, sains et saufs, parce que le Seigneur nous est protégés. Et vos mamans sont toujours là pour prier et soutenir. Et je vous donne ma parole. Toute personne qui va attaquer à un ou une à Maman Elisa derrière son dos, je n'ai pas des armes. Je n'ai pas des armes ni des lances. Mais Dieu nous donnera, Dieu me donnera la force
que toute personne qui va s'amuser avec ce combat, que nous perdons les membres, nous perdons les gens qui pouvaient vraiment aller de l'avant à développer ce pays. Ce grand homme qui est déjà mort aujourd'hui, il n'était pas malade, qu'il devait vite mourir. L'accident, les fractures ne peuvent pas tuer quelqu'un. Le gouvernement ne fait que continuer à nous exterminer. Je vous dis seulement, mes enfants, soyez vigilants devant, derrière, côté gauche, côté droit. Savoir qui est à côté de toi, parce qu'on a beaucoup d'ennemis. Et votre maman sera là, vos mamans seront là que pour prier pour que rien n'arrive plus à l'un de vous. On a déjà trop perdu au Cameroun. On continue à perdre tous les jours. Et je veux que ce, aujourd'hui, cette conférence, on tire une conclusion. Ce qui va nous faire avancer maintenant, de monter d'une deuxième écran. Parce qu'on ne va pas rester seulement, oui. On va continuer la lutte sans montrer aussi un mécontentement. Nous ne sommes pas oui, oui, oui. On veut aussi dire non des fois. Parce que ça ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas lutter pour pleurer encore tous les jours. On doit avoir des résultats. Alors j'ai pris à tous mes enfants, tous mes fils et filles et toutes mes sœurs qui sont là, que nous sommes qu'un. Soyons unis plus qu'à jamais. Pour que le corps de ce monsieur ne soit pas impuni. Je veux vraiment quelque chose. Je manque des mots. Et je vous en remercie beaucoup. Merci, Maman Elisa. Elle manque des mots. Merci beaucoup. C'est le cœur du maman qui parle. C'est une maman qui nous encourage beaucoup. Et elle a toujours été à côté de nous pour nous soutenir dans cette résistance. Elle dit, mes enfants, ne paniquez pas. Cette résistance, c'est tous les Camerounais épris de justice, de toutes les obédiences. Maman Elisa, nous te sommes véritablement reconnaissants pour tout ce que tu apportes, que tu fais, pour tes prières, pour ton encouragement, que ce soit moral, financier, que tu apportes à cette jeunesse. Et tu as dit, Stéphane, tu m'as dit par cette confidence, mon fils, je suis là parce qu'au Cameroun, on a tellement trompé les Camerounais. Une jeunesse déterminée comme vous, nous avons l'obligation de vous suivre et de vous mettre sur le droit chemin. Maman, nous te disons aussi ce soir que nous allons continuer dans ce droit chemin. Merci. Je vais introduire par la suite quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas trop, de très discret, mais j'ai pris le temps d'observer sa trajectoire, son comportement, comment il évoluait de son côté en Italie. C'est quelqu'un de très effacé que nous ne connaissons pas, mais il a toujours répondu présent des manifestations avec son équipe. Une équipe solidaire, très soudée, qui peuvent être même des exemples dans cette révolution sur le plan comportemental. Quelqu'un qui ne veut pas une visibilité ou bien un regard, mais qui assume son leadership. Mais autour de lui, vous avez toute une équipe qui s'engage pour travailler, qui écoute. Deux fois, il envoie des gens le représenter sans toutefois qu'on le connaisse. Mais moi, je l'ai connu aujourd'hui, j'avais l'histoire de cet homme qui a décidé d'effectuer le déplacement aujourd'hui pour Cologne, pour nous parler, parce qu'il pense que 2020 est la dernière trajectoire pour libérer le peuple camerounais. Il a décidé lui aussi de parler pour la première fois. Ulrich, est-ce que tu peux parler au peuple camerounais de l'Italie, la base? Merci. Écho. C'est connecté. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Ça fait vraiment chaud au cœur de se retrouver au milieu de sa famille. C'est vrai, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est pas toujours ceux qu'on voit devant qui sont en principe les vrais leaders. C'est vrai, ils peuvent aussi être leaders, mais le vrai travail, c'est aussi en arrière. Je ne peux pas être long, mais je vais d'abord rendre comme ça un hommage à mon Amazone de cœur, l'Amazone Francine, qui est la figure que vous connaissez tous. Elle devrait être parmi nous aujourd'hui. Elle a eu un léger empêchement. Et pour une fois, nous pouvons la concéder. Je suis comme ça avec un autre combattant qui est toujours une figure un peu cachée, mais qui fait le grand travail sur les réseaux sociaux un peu de partout.
je suis ici aujourd'hui à Cologne, ça me fait chaud au cœur. C'est vrai, je connais beaucoup d'entre vous et c'est la première fois que je prends la parole. Parce que je me dis toujours, j'aurais voulu prendre ces paroles quand Paul Biya Bim Vondo, alias Satan, comme le dit souvent mon frère, ne devrait plus être là. Mais aujourd'hui, je suis obligé. Mais ça me donne encore un peu plus de force parce que je crois que 2020, c'est l'année finale. La patrie ou la mort ? La patrie ou la mort ? Merci Yurich. Vous avez vu qu'avec cette vitesse exponentielle où il a liquidé ce propos, c'est toujours dans le souci de la discrétion, on te comprend. Alors, je veux bien appeler ici une Amazone qui se bat aussi, vous remarquez ses interventions sur Facebook, qui a décidé de travailler avec beaucoup de femmes, de dames au Cameroun qui se mobilisent. Elles sont nombreuses les Amazones, mais je veux introduire l'Amazone Justine, qui va dire un truc. Vous voyez que je suis émue, hein? Je n'ai pas l'habitude. Déjà beaucoup d'amour pour nous tous ici. Et je tiens à rendre un vibrant hommage à ma sœur de lutte et de cœur, Winnie Savannah. Fils. Parce que si elle avait été sur pied, elle serait parmi nous. Parce que c'est une qui ne recule devant rien. Et ça, il faut toujours donner à César ce qu'il y a à César. Donc, nous sommes hein, des mamans, des femmes, des filles, et c'est nous qui portons les hommes. C'est nous qui portons une nation. C'est nous qui portons le monde. Et ça, il faudrait qu'on le sache. Cette révolution doit être dorénavant menée par les femmes que nous sommes. Pas parce que nous sommes les plus fortes, non. Mais simplement parce que les grands hommes qui sont, le sont parce qu'il y a des mamans derrière. Si mon fils est au cadre aujourd'hui, c'est parce que j'aurais bossé. C'est pour ça que nous estimons les femmes qu'il est temps que nous prenions le bâton de commandement pour cette lutte. Et je sais que nous en sommes capables. Et pour cela, je nous invite à mettre nos égos personnels de côté et mettre cet amour que porte la femme au-delà de tout. Il n'y a pas d'adversité de quelque forme que ce soit qui a lieu d'exister entre nous. Le seul objectif pour lequel nous sommes debout, c'est le 237. Le 237. Quand je dis le 237, c'est nos enfants. Et pour cela, ce connard, excusez-moi le terme, mais ce connard de Biya Bim Vondo, il se doit de partir. Voilà, donc je ne saurais pas vous en dire plus, mais sachez que aujourd'hui, les Amazones pour la renaissance du Cameroun se tournent aussi. Je dis bien, se tourne aussi dans l'humanitaire. Pourquoi ? Parce que le combat que nous menons, c'est pour que ces enfants qui souffrent, ou ces femmes, c'est pour leur donner aussi un petit sourire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et c'est aussi le combat que mène Winnie Savannah. Je vous remercie. Merci, merci Justine. Ben, c'est vrai qu'on va arrêter, mais il faut. Peut-être les autres auront la parole pour plus tard, mais on va continuer. Annie Choko, que vous avez entendu parler, bien évidemment,
Elle va dire un truc, c'est vrai, toi aussi tu es très effacé, tu n'aimes pas parler, mais tu vas prendre le micro puisque tu représentes les Amazones. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Annie Choco, porte-parole des Amazones Belgique. C'est vrai que je suis un peu effacée. Je ne parle pas beaucoup. Mais je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et vraiment, le pays va très, très mal. Très, très mal. Et j'aimerais donc, au sortir de cette conférence, qu'on prenne vraiment des décisions, des résolutions fortes par rapport aux défis qui nous attendent, à savoir le boycott des élections du 9 février, qui est déjà... déjà le boycott du 9 février, qu'on envisage déjà qu'est-ce qui va se passer si les élections ont vraiment lieu et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ces élections. Je compte beaucoup sur toutes vos contributions et je suis déjà très satisfaite parce que nous sommes très nombreux et vraiment l'union fait la force. La patrie ou la mort. Merci à toutes nos vaillantes sœurs, nos vaillantes mamans qui ont pris la parole. Merci à tous les combattants que j'ai découverts aujourd'hui avec un plaisir immense. Nous voulons, parce que la décence nous l'impose, nous voulons permettre au caporal Grier, 40 ans de combat dans les tibias, il doit nous dire forcément quelque chose. I don't know what you are going to talk. My heart sweet, wo. Yes, yes. Munyonge wo dey for my heart, wo. I won't even cry when I see all these things where they happen now. Just now. When I see when I saw where I call when I see nouvelle génération come to, I'll be very happy.
Fosi kasi weti. Fosi kasi tan we will be start this struggle. Weti, Mr. Nietzsche we de for day. And some man de we will de talk every time. We need ever pronounce his name. He de for ya de. He called this Hugo Simon. Na he da for day. Na he da. I want to say, make camera take that man with the corner and say, Hugo Semo. People don't know him. Yes. Well, c'est un monsieur d'un courage légendaire. Je n'ai jamais vu un garçon aussi courageux. Il est là, mais on ne le connaît. Vous avez entendu son nom un jour? Non. Hugo, il s'appelle Hugo Semo. On ne parle pas trop de lui, mais il ne parle pas. Mais toutes les vidéos que vous avez vues dehors me concernant, c'est son œuvre. Caporal Grier, comment tu as fait pour résister jusqu'à présent? Parce que c'est important. J'ai vu comment, depuis qu'il n'y a qu'un an, quelque chose, j'ai déjà vu les gens qui se fatiguent. Et j'avais prévu tout ça. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Il y a des gens encore qui vont se fatiguer. Mais s'il te plaît, quand on se fatigue, on se retire sans vouloir chercher à gagner. C'est ça mon problème. Si on est fatigué, on se retire. Quand je parle de Hugo Semo, c'est parce que une fois nous sommes partis à Genève, je suis tombé, Hugo Semo a dit qu'il n'est pas plus avec moi. Mais je lui ai dit, Hugo, on va seulement partir. Parce que comment on va partir là, si on dit, c'est sur moi, ce n'est pas toi, il est journaliste. Et Hugo a eu un courage ce jour-là d'entrer dans le taxi avec moi et nous sommes partis poser l'action. Depuis ce jour, le respect que j'ai pour lui est trop grand. Et je vous dis, ce combat que nous avons mené et que nous avons gardé jusqu'à ce que vous arrivez là, ça n'a pas été facile. Je me suis souvent retrouvé sur le terrain avec le président Nietzsche. Pas parce qu'on voulait être là deux seulement. Les autres ne sont pas venus. Mais ceux avec qui on avait pris rendez-vous, ils ont fui. Mais combien il ne faut pas reculer? Il ne faut pas reculer, il faut avancer. Et nous, nous sommes avancés. Et ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. Et si j'ai résisté jusqu'à présent, jusqu'à ce que je vois comment vous voulez vous appréciez, et tout simplement parce que quand Nietzsche, Hugo, ils écrivaient, parce que moi, je ne suis jamais dans les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Il y avait plutôt camer.b et puis camoinfo.net. Et puis encore YouTube. Donc quand je faisais tout ça, moi je ne savais pas ce qu'on parlait dedans. Je pars aussi, je lis, je vois comment les Camerounais sont contents. Je dis, mais dans ce que je fais là, les gens sont même contents de ça. Donc je vois comment quelqu'un écrit. Oh, enfin, ma journée d'aujourd'hui est gâtée. Kemta m'a fait de la joie dans le cœur jusqu'à. Je ne veux même pas marier ce soir. Donc, ça m'a donc encouragé à continuer. Mais si je lisais les réactions, si la majorité était négative, je devais arrêter ça. Mais c'est parce que les réactions étaient positives que j'ai continué jusqu'à ce que vous avez fait. Et je vous dis grâce à Dieu. Sans oublier de dire merci à Papa Kanto, parce que lui, c'est l'homme qui est venu maintenant. Qui est là avec nous et je pense qu'ensemble nous allons travailler
pour voir comment on va libérer ce pays cette année-ci même. Nadiz Yahweh, vous vous libérez dans son pays. We must libérer dans le compte de Dieu. Et par tous les moyens. N'ayez pas peur quand je dis par tous les moyens. Même pas le rengengue, nous serons prêts à libérer ce pays. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une extase d'écouter les paroles pleines de sagesse, pleines de courage, pleines de détermination qui sortent de la bouche du caporal Grillé. Je vais donner la parole. Je vais donner la parole à l'aîné, le président, comme on l'appelle affectueusement, prisonnier. Mais avant de lui donner cette parole-là, il y a un combattant qui s'est fait remarquer et qui se remarque même malgré lui. Aujourd'hui, là, il ne peut plus passer inaperçu. Et ça, ce sont les fruits de sa lutte, de son combat quotidien. C'est un combattant. Sa taille est inversement proportionnelle à la grandeur de son cœur. Pour les gens qui me connaissent, je l'appelle, quand je suis seul dans ma chambre, je l'appelle Kirikou, le fils du planteur. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Soyons les bienvenus. Je ne vais pas être long. Parce que pour moi, j'estime que si je me suis déplacé deux fois pour venir ici, ce n'est pas parce que les réunions m'intéressent, mais c'est parce que je veux qu'aujourd'hui, qu'on transforme les paroles en action. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Amazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici cotise. Nous n'allons plus parler sans agir. L'équilibre de la terreur. Merci. Alors le fils du planteur, il a déjà donné le ton de notre conférence. Et comme la tradition africaine le veut, je vais passer la parole à celui que nous appelons tous affectueusement ici là, président. C'est l'une des personnes que, étant encore très jeune, j'ai lu le nom dans le messager. Et c'est un honneur, c'est un privilège et c'est un exemple. C'est même une grâce pour moi d'aujourd'hui me retrouver dans le combat à ses côtés. Mais avant de lui passer le micro, je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait des mots et des propos encore plus élogieux que moi à son égard. Merci. Merci. Merci, Mélélic. Tu le fais avec brio. Tu le fais avec brio et c'est un privilège pour moi de travailler avec toi. Mais je veux saluer le doigté exceptionnel de Mel qu'on ne voit pas souvent, mais qui est celui-là qui nous donne cette technologie à point pour que les autres Camerounais puissent savourer ce moment et voir ces moments de communion ensemble. C'est vrai, tu m'as interpellé qu'il fallait que je parle du grand frère Brice. Il sait combien, moi, à titre personnel, je l'apprécie. Je l'aime de manière affectueuse parce que j'ai vu un homme qui a identifié une jeunesse, qui a rappelé à toutes, parce que lui, il a compris qu'on n'était pas dans une guerre générationnelle, c'est pas de l'agisme, mais qui a dit, nous sommes vieux, nous avons déjà du ventre, nous devons être derrière ces jeunes et les accompagner. Et lui, il a honoré cette course et nous, ça nous a marqué. Voilà un néné qui nous sert de la place. Et demain, les jeunes, on va être derrière pour vous canaliser. Président, moi j'aime toujours dire, la source qu'il nous bénit, on n'oubliera jamais cette source. Et le vrai leadership,
c'est savoir investir en d'autres. Et la gratitude voudrait qu'on se retourne, on dise, Prézi, prends tous les honneurs. Et ce soir, tu as quelque chose à dire aux Camerounais. Merci, Prézi. Merci beaucoup. Merci pour cet hommage qui me va droit au cœur. Je suis très ému de voir cette génération rassemblée ici ce soir. Je suis venu là pour vous rappeler une fois de plus que vous êtes devant et que je suis derrière. Je suis venu vous dire que j'ai des choses à dire à certains d'entre vous. Je suis venu dire à mon frère de lutte, de 30 ans, Emmanuel Kemta qui est assis là, merci. Merci pour le chemin que nous avons fait ensemble. Merci pour tes conseils, merci pour la résistance, et merci d'avoir toujours été là pour encadrer ceux qui sont là aujourd'hui. Merci pour ton humilité, combattant Kemta. Tu resteras toujours mon frère. Je suis aussi venu dire à un petit frère qui incarne la nouvelle génération. Celui qui, une nuit, il y a à peu près un an et demi, deux ans bientôt, un soir, quelque part à Paris, a ouvert sa bouche, inspiré par nos ancêtres, et a sorti un mot magique. La brigade anti-sardinaire. La brigade anti-sardinaire, quand il a prononcé, j'ai senti l'émotion que ce mot dégageait. J'ai compris que ce garçon venait de changer le cours de l'histoire de notre pays. Le lendemain matin, je l'ai appelé pour le lui dire. J'ai dit, Calibri, tu sais ce que tu as fait hier dans la nuit? Il ne se rappelait plus qu'il avait parlé de brigade anti-sardinaire. Ça, c'est le propre des grands hommes. Ils font des choses, ils avancent. Les autres le leur appellent. C'est ce que j'ai fait pour Calibri. Ce garçon, il a créé la brigade anti-sardinaire. Et nous devons le reconnaître comme le chef. Je vous ai dit, jeune frère, je le répète ici, je ne vais jamais m'opposer à vous. Je serai là pour vous encadrer, pour vous parrainer, me rassurer que vous êtes sur le droit chemin. Mais pour vous aussi vous rassurer, si vous êtes dans la dérive, je vais vous ramener à l'ordre. Ça, c'est ma responsabilité. S'il y a des gens là-dehors qui croient qu'ils vont vous intimider, ces gens se trompent. Parce que le peuple est avec vous. Le peuple est avec la brigade anti-sardinaire. Et je suis très très heureux, bien entendu, de voir les femmes, les mamans, et la plus inspirée d'entre elles, maman Elisa, pour qui je vous dis bonsoir maman Elisa, et bien sûr, bienvenue ici ce soir. Et je vous prie, s'il vous plaît, de mettre vos mains ensemble pour ce grand moment. Je voudrais qu'au sorti d'ici, maman Elisa devienne la mère des Amazones et que ce titre soit officiel. La mère des Amazones.
Bien entendu, il y a certains camarades qui auraient voulu être ici avec nous ce soir. La base des États-Unis, la base du Canada, ces deux fédérations n'ont pas pu être là parce que leurs membres prévoient de venir ici pour le 1er mai pour accueillir le président. Le 1er février pour accueillir le président. Et ils ne pouvaient pas faire deux voyages en l'espace de deux semaines. Ils nous ont chargés de vous dire qu'ils sont de cœur avec nous, ici ce soir. Bien entendu, la base UK représente la plus forte délégation. Nous avons les meilleurs. Nous avons le caporal grillé. Nous avons la général Sandy. Nous avons la baleine blanche. Nous avons l'Amazon Serena. Nous avons toutes ces braves femmes que vous voyez. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Merci les Amazones, toutes tendances confondues, pour le travail que vous faites. Toutes tendances confondues. Ce soir, mon rêve, c'est que nous puissions sortir d'ici unis, main dans la main. Maintenant, mon message à Paul Biya, je lui dis ça en le regardant dans les yeux. Monsieur Biya, vous n'avez plus que quelques mois au pouvoir. Je le dis parce que les jeunes rassemblés ici dedans me l'ont promis. Je leur fais confiance. Et je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Ça fait 30 ans, nous comptons sur les urnes, nous voyons les résultats. Ne comptez pas sur les urnes. On ne renverse aucune dictature par les urnes. On renverse une dictature par la force. Et ce n'est qu'avec la force que nous allons renverser le régime de Biya. Et il y a un seul moyen pour le faire aujourd'hui. Nous devons nous rapprocher de notre frère, de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! 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 Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons travailler dans la sérénité. Et à la fin de cette soirée, nous allons prendre des résolutions fortes, comme nous le voulons. Et je suis convaincu que si ces résolutions sont prises et que si ces résolutions sont appliquées, c'est-à-dire que nous devons prendre contact avec tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui dans l'Amazonie et qui luttent pour se libérer, si nous nous attachons avec eux pour libérer le Cameroun francophone, Biya va partir. Je vous fais confiance pour ça. Merci. Et tu es...
nous ce soir. Il y a la Twins. Et elle est avec nous, son esprit est avec nous ce soir. C'est-à-dire que ce que nous allons décider ce soir, elle va l'accepter et elle va faire pareil. Il y a une qui fait un travail remarquable, qui n'a jamais été vue ni aperçue quelque part. Non, cette personne, c'est Nandi Zouzou. De la journée ou de la nuit que vous les appelez pour un service qui concerne la révolution, elles sont prégnantes et partantes. Je disais tantôt que cette révolution désormais, mesdames, repose sur vous. Alors nous avons besoin de vous. Karine, la Twins, Sandy, Baleine Blanche, toutes ces mamans, toutes ces femmes, nous avons besoin de vous pour nous guider. Et soyez les bergères de cette révolution. Merci. Merci. Merci, merci Calibri. Dans la même lancée, on ne va pas oublier le travail remarquable. C'est vrai que toute cette équipe, j'ai toujours voulu nommer cette équipe. Ils m'ont dit, Stéphane, ce n'était pas important, mais je pense qu'il faut gratifier le travail qu'elles font, qu'ils font sur la toile. Les sentinelles, ils font un travail remarquable. Est-ce qu'on peut les appeler, on peut les acclamer? C'est ceux que vous appelez communément les faux profils, mais en réalité derrière ces faux profils sont derrière des femmes véritables, des hommes engagés qui ont décidé sans nous connaître de parler en notre nom, de nous défendre, de rétablir la vérité. Et nous rendons un vibrant hommage. Brakata, Raph Malondo, Mark Ndongo, Pile, Tracy, Mirabel Chamba, Nathalie Strong, Lily de la Tour. Zumato aussi. Ah ouais. Merci. Zumato. 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 Sans oublier Van Botte Rapid Design. Roman. Ah oui, Roman Rapid Design. La dernière prise de parole, ce sera pour notre camarade, le grandissime combattant Sibafo, qui était à l'aurore de la basse Deutschland. Quand la basse en Allemagne naissait, le premier concert qui a été boycotté, il était là, c'est lui qui a donné le ton. C'est lui qui a donné l'inspiration. Il nous a encouragés par sa détermination et par sa sagesse. J'aimerais que le combattant Sibafo, très brièvement, nous dise deux petits mots. Vous allez m'excuser, excusez ma voix rauque, je suis un handicapé vocal. Pardon, n'applaudissez pas, si vous applaudissez, ma voix va se bloquer. Pardon, écoutez, je ne suis pas né comme ça, c'est l'aventure et les péripéties de l'asile qui m'a ôté la voix. Mais je continue. Permettez-moi de saluer. On m'a dit, toujours appris, ceux qui m'ont éduqué. M'ont dit qu'à chaque fois que tu prends la parole, rends hommage d'abord aux femmes, parce que c'est à travers eux que nous voyons la lumière. Je décide. Et vous n'allez plus rien comprendre. Je décide de le faire pas en langue coloniale. Je vais
le faire dans la langue qui est la première langue qui était parlée comme langue nationale au Cameroun avant que le colon n'arrive. C'était le Fulbe. Jamba Numona. Jamba Ndeko. Jamchoro Bibinge. Mesane mon de Bobe Goroko. Mesane mon. Mesane mon de Bobe Goroko. Mesane mon. Ambipula Kouamine. Bepula Kouamine. Binadi bo, binadi fere fere. Jamjoro bebinge. Quand j'ai fini, je vous dis à vous tous, combattants dignes et libres, n'oubliez rien en chemin. Le soleil ne se cache jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Nos errances et nos voies rouillées, nos doigts et nos pensées, nous sommes les enfants de la dignité. Nous sommes les enfants de la liberté. Nous nous battons pour notre dignité. Depuis le jour où nous sommes nés, nous savons que nous sommes condamnés. Nous nous battons pour être libres et un jour nous serons libres. Le soleil ne se cache jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Si nous n'acceptons pas de nous éloigner de la lumière, nous arriverons. Si tu marches sur le chemin tracé par un autre, c'est dans son village que tu vas arriver, pas dans ton village. Je vous dis encore merci. Padingaman bise na lastambi time. Padingaman bise Ovadon Ambout, Onambou Nasik, Damata, Nobina Jambula, Nangoum, Nabanja, Mawe no wa, Mawe no no wa, no fiyawuna, Ala complice à de fiyayou, Ala reme à de fiyayou, Répé à de Fiaouna. Heureux bénédiction de nos aïeux à tous ceux qui cherchent l'intérêt commun et non l'intérêt individuel. Bannis les égoïstes et les opportunistes. Si quelqu'un dans cette révolution est venu chercher le nom, il sortira avec le nom qu'il mérite. Merci le combattant Sibafo. Toujours très très émouvant. Chers, nous savons que nous sommes en live et que les gens, que les patriotes, que le peuple camerounais prend beaucoup de plaisir à nous écouter et que c'est une motivation certaine pour eux de nous écouter. Mais malheureusement, nous devons, parce que nous sommes en train d'entrer maintenant dans la phase stratégique de notre réunion, nous allons bientôt couper ce direct. La première personne à prendre le micro après que nous ayons interrompu la retransmission en live, ce sera notre frère qui est venu ici là parler pour nos frères anglophones, qui est venu nous porter un message d'une personnalité très très importante pour notre lutte. Nous n'allons pas vous donner trop de détails. Nous savons que Jean de Dieu Momo et Brenda Bia, ils sont en train de regarder. Vous n'aurez pas
vous n'aurez pas les éléments clés de notre rencontre. Beaucoup de personnes se demandent ce que c'est que la brigade anti-Sardina. Le pouvoir camerounais a fait croire que nous sommes le bras armé du MRC et les défenseurs du Maurice Kamto. Je veux battre cela en brèche en disant que nous sommes. La brigade anti-Sardina est la défense ou bien les défenseurs de tous les hommes politiques au Cameroun qui se battent pour la libération du Cameroun. Nous sommes les défenseurs de Kawala. Nous sommes les défenseurs du professeur Baybek. Nous sommes les défenseurs de Maître Alice Com. Nous sommes les défenseurs de tous les cadres du MRC et même contre leur gré. C'est-à-dire que même si le professeur Maurice Kamto sort aujourd'hui pour nous dire de ne plus défendre sa cause, nous allons dire tant que ta cause c'est la cause du peuple camerounais, nous la défendrons. La base, c'est la défenseur de toutes les personnes qui luttent pour la libération du Cameroun. La base, ce n'est pas le bras armé du MRC. La base, ce n'est pas les défenseurs de Maurice Kamto. La base, c'est les défenseurs de toutes les personnes qui se lèvent pour la libération définitive du peuple camerounais. Et si Maurice Kamto fait partie des personnes qui veulent libérer le Cameroun, alors c'est sa malchance. Nous allons le défendre. Un nouveau Cameroun est possible. Donc, maintenant, malheureusement, je sais que vous êtes déjà 1500 à nous suivre. Nous allons bientôt couper, mais avant de couper, Maman Elisa. Okay. Maman Elisa reviendra après. C'est vrai qu'on va couper le direct parce que nous avons un message stratégique qui viennent profondément de nos frères anglophones. Vous savez, ils partagent la même cause que nous sommes en train de faire. Mais pour des raisons vraiment, puisque vous saviez que la stratégie par essence, elle est secrète, nous devons communier avec le représentant des Ambazoniens qui veut vraiment discuter avec nous de manière profonde. Donc, merci, chers internautes. Merci pour tous ceux qui sont mobilisés. Mais nous reviendrons par après pour le direct. Dans les autres interventions, nous n'avons pas fini. Tout le monde va parler. C'est une veillée de la relance de notre combat. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde aura la parole, on va communier avec ce peuple, ça va être une veillée. Et je remercie à tous ceux qui ne travaillent presque plus, même quand ils sont dans leur bureau, s'en vont dans des toilettes, se cacher pour regarder des directs, merci. Je ne vais pas oublier de saluer Mama Ekolo, Mas Ivoire Senior, qui fait un travail remarquable sur la toile, que nous n'allons pas oublier de le saluer. Et partout ailleurs, Madi comme les autres que nous saluons et nous disons bravo pour ce qu'ils font aussi au niveau des États-Unis. Alors, chers frères, nous reviendrons par le direct par après, mais nous sommes obligés de boucler parce que la phase stratégique commence dès maintenant. Et je nous dis d'être de plus en plus attentifs et sérieux dans ce que nous allons faire. Merci, merci. Un Cameroun nouveau est possible. À tout à l'heure. Merci.